Konnichiwa Minasan, c'est Mémoire de Légende, bienvenue dans cet épisode 0 de la série Shenmue. Bienvenue chez Azuki. Alors, on commence après bien évidemment cette histoire d'assassinat du père de Ryo. Donc on recommence un petit peu avec le mémopad qu'on avait vu dans le Watsu Memo. Donc du coup avec le numéro de téléphone de la police et les pompiers, ça va pas servir à grand chose. Donc on a le numéro notamment de Nayuki Ito, qui est donc le meilleur ami de Ryo, que vous verrez un petit peu plus tard, Nozomi la fleuriste, que vous avez pu voir aussi dans la démo, et justement tous les petits indices. En fait, c'est une sorte de journal en quelque sorte. Donc voilà, lundi a assassiné votre père, il porte une robe de dragon, etc. Et donc un petit peu à la fois dans la quête, des mots vont s'ajouter, enfin des phrases vont s'ajouter dans votre carnet. Donc là, nous voilà donc dans la chambre et on va une fois de plus se taper une cinématique. Ryo-san, you should still be resting. I'm fine, really. And you? Are you all right? Yes, but I must keep busy, otherwise I'll get depressed. I understand. But you needn't work too hard. Yes. Oh, by the way, I have this for you. This is for today. From tomorrow, I'll leave it on top of the shoe cabinet every day. Do you know where Fukusan is? Fukada-san? I believe he's in the dojo. Really? Thanks. Alors, chaque épisode dureront à peu près 10 à 12 minutes. On va essayer de faire court pour que ça soit assez prenant pour vous. Donc du coup, pour ce premier épisode assez peu banal, on va dire, on va faire un petit tour du dojo. Alors, je me suis un petit peu trop avancé. Je vais vous montrer un peu la cuisine pour vous montrer à quel point ce qu'a fait Yu Suzuki, donc le papa de Shenmue, a quelque chose d'assez fort. Donc là, on peut même encore parler à la personne. You must be tired. Perhaps you should rest. I'm fine. Donc elle vous dit de rester prudent, parce que évidemment, comme le père est mort 4 jours plutôt après cela, qui va tenir le dojo? Donc c'est bien la question à se poser. Donc là, hop, on va ouvrir le frigo pour vous donner une petite idée. Allez, non, je me suis trompé. Donc, Fukuhara-san, comme on a dit, était dans le dojo. Pour vous dire que la quête, on va dire, est un peu simplifiée dans le sens où, donc là, on va devoir aller voir Fukuhara-san, donc Fukusan qui a été éjecté dans le début de l'histoire. Mais ce qui est bien, c'est que la quête en fait vous mâche un petit peu le travail, donc du coup reste à plus qu'à le trouver et avancer en quelque sorte dans la quête. Donc là, on est dans la chambre du père, donc Iwa Watsuki. Donc je rappelle que dans la version japonaise, celui qui double Iwa Watsuki, c'est celui qui a joué le personnage principal de Segata Sanshiro pour les commerciaux de la Sega Saturn entre 96 et 98. Alors ce qui est bien, c'est que voilà. Alors, quand on appuie sur L, donc left, la caméra se rapproche. Donc on peut voir de plus près certains objets, ceci, cela. Alors quand on tourne, regardez bien. Si je me tourne ici au niveau du cadre, regardez, hop, ça va se concentrer, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose derrière. Donc un élément, un objet caché, etc. On peut même le prendre. Voilà, comme Ryo le fait bien, et là il n'y a rien. Mais là, si je veux, je peux descendre. Voilà, on a le texte, et en dessous, voilà, on a un pot, et le pot aussi, on peut le prendre. Et ce qui est bien, c'est que la caméra, la façon dont Ryo prend le pot, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans la peau de ce personnage, donc vraiment à la première personne. Donc là, on va s'intéresser un peu sur le bureau, et apparemment, il y aurait quelque chose, regardez, il y a une lampe juste là. Ah, attendez, je me suis mal placé, voilà, regardez bien. Là, je peux même ouvrir les tiroirs, mais c'est pas ça que je veux faire. La caméra est un peu capricieuse malheureusement, donc on va essayer. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Ah voilà, hop. Et voilà, il y a une petite cinématique assez sympa. Et on va regarder ce qu'il y a sur le bureau. La lampe, on peut aussi l'allumer. Voilà. Et on y voit du coup un petit papier qu'on va s'empresser de lire. Dear Ryo. Those who follow the path of a warrior must be ready to die. In order to
stand by their convictions. Live for one's convictions. Die for one's convictions. That is how I lived my life. Ryo, it is up to you to discover your path and follow it through. My father must have known that Lan Li was coming. Et du coup, ce jeu, voilà, il y a énormément de choses à voir. C'est pour ça qu'en fait, si j'ai voulu faire cette saga, c'est parce que je voudrais vous faire montrer quasi, enfin on va essayer, toutes les cinématiques du jeu, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir. Alors, là ici, ce sont les toilettes, mais il n'y a rien d'intéressant à voir. Hop, on va rentrer ici, voir s'il y avait quelque chose. Nous avons quoi? Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus tellement. Alors ça doit être un truc sur le bouddhisme. On va voir ça tout de suite. I will get them, father. Donc justement, j'évite de rien dire aux cinématiques qui sont de vous faire profiter un maximum. Alors, on va sortir, du coup, aller voir Fukuhara-san qui était dans le dojo, là où votre père, justement, enfin, le père de Ryo était assassiné. Alors, j'aurais quand même regardé dans le frigo, parce que c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, est-ce que ça marche pas? Non, ça marche pas, tant pis. Alors, le bouton L, comme je disais tout à l'heure, ça permet justement d'être à la place un peu du personnage en quelque sorte et de justement se concentrer sur un objet, voir s'il y a une possibilité de récupérer quelque chose éventuellement. Et là, regardez, on va aller dans le salon. Quelque chose que je voudrais vous montrer. Alors, regardez bien. Donc non, il y a ça, non, on s'en fout. Moi, ce que je voudrais, c'est la télévision. La télé, si on regarde bien, normalement... Ouais, je n'y arrive pas. Alors, on fera peut-être ça sur un prochain épisode. En fait, ce qu'il y avait justement dans cette étagère, enfin dans cette armoire, c'est une Sega Saturn. Alors, comment c'est possible une Sega Saturn en 86 alors que la console n'est sortie qu'en novembre 94? Tout simplement, alors c'est vrai qu'on aurait pu éventuellement mettre une Master System, hein, c'est ce qu'il y avait de plus banal puisqu'elle était sortie un an l'histoire du jeu en 85, ou alors une Sega Mark III puisqu'on est au Japon. Tout simplement parce que si Yu Suzuki a mis la Saturn, c'est parce qu'il a rendu hommage au prototype du jeu qui n'a malheureusement pas vu le jour, qui n'est autre que Virtua Fighter RPG. Alors ici on a quelque chose normalement, si je me trompe pas. Alors c'est vrai que le jeu, alors je vais vous montrer un truc assez étonnant. On peut courir avec Ryo. Est-ce que ça marche? Normalement oui. Non, ça marche. Ah oui, ça marche, voilà. Une petite cinématique en plus. Keep your balance. That's right. Now listen. Tighten up your abdomen. Straighten up. Find your center of balance. Yes, like that. Yes, good. Un petit souvenir en plus de Ryo Hazuki lorsqu'il était enfant avec son père pour s'entraîner. Donc voilà, regardez, on voit Fukuhara-san qui est juste là. On va aller le voir tout de suite.
Et on va justement s'arrêter à certains points de l'histoire, pour pas faire trop long non plus, mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, vous donner envie de regarder cette séquence, enfin, regarder cette saga. Et je vais vous montrer un petit peu la course de Ryo, qui est assez intéressant à savoir. Donc, en fait, ce qu'on a pu voir tout à l'heure concernant le petit coin bouddhiste, en fait, c'était justement pour faire un appel à la prière, tout ce qui est plus banal. Il faut savoir aussi concernant le jeu, que bien évidemment ce jeu est en anglais, bon, même si je l'ai sorti en Europe, qui n'a jamais vu le jeu en France. Il y a une page Facebook et surtout un site à qui je voudrais faire un petit coucou, il s'appelle Master Shenmue, si je dis pas de bêtises. De toute façon, il y aura les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. C'est justement la page officielle française des fans de Shenmue, qui justement ont travaillé d'abord sur le 2. Bizarrement, pourquoi pas ne pas avoir travaillé sur le 1 et d'abord sur le 2. Et il faut savoir qu'un jeu à traduire, comme ce que vous avez pu voir sur le Watt, ça prend beaucoup de temps, pour moi un peu moins, parce que j'essaie de faire avec, je fais tout moi-même. Il faut savoir qu'il y a énormément, et comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de choses à voir. Et qui dit énormément de choses à voir, dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de code pour traduire ce jeu. Pour vous dire à un point que le deuxième épisode de Shenmue, donc qui va se passer en Chine, a été traduit en 5 fois. Donc c'est-à-dire que vous avez... ça donnait par exemple Shenmue 2 A, Shenmue 2 B, pour dire à un point que la traduction, enfin l'amélioration de la traduction en question, une sorte de mise à jour si vous souhaitez. Donc là, regardez, on va se quitter dans peu de temps, on va se quitter sur la sortie du dojo. Donc là, si j'appuie complètement, on court, et si j'appuie légèrement, regardez, ça va le faire trottiner, voilà, ça le fait trottiner, puis après ça le fait courir jusqu'au maximum. Voilà, donc c'est ici qu'on va se quitter, merci d'avoir regardé cet épisode 0 jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour le premier épisode, l'aventure commence. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir d'avoir tous vos retours. Je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée et à très vite. Sayonara Tomodachi. Si t'as toujours pas vu mes deux vidéos, c'est pas un problème. Mais clique dessus quand même, ça me fera plaisir. Et oublie pas aussi que tu peux t'abonner. Allez, file.